Je suis l'aigle de la route. Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue dans la Playroom sur un nouvel épisode de Mad Max. Donc, chers amis, comme vous voyez, il y a plein de trucs à faire encore. Mais, comme prévu, plus ou moins, hein, on va aller rejoindre The Joes. Tout simplement. En passant d'abord par cette montgolfière. Voilà. Vous allez voir, ça nous fait faire un petit détour, ce qui peut être sympa, parce qu'on peut trouver des trucs sympas sur la route aussi, hein, quand même. Ça nous fera du bien. Surtout que moi je vais avoir besoin de plus en plus de convois, en tout cas de ferraille. Vous pouvez le voir, la ferraille rapporte beaucoup. Les véhicules de ferraille rapportent énormément. Hop. On va passer en vue intérieure pour le plaisir. Ah, j'ai loupé la route. Boum! C'est quoi ça? Ah mince! Allez mon pote! Alors toi tu dégages? Aïe! La vache! Sac à merde! You're done? Bah allez, descends! Boum! Boum! Intéressant ça. Fais chier avec ces saloperies qui larguent là. Pas prendre tes roues. Putain, il est plus rapide que moi. Non. Fix the car, quick. On my way. Boum. T'iras pas plus loin. Stomp it. It will tear that tire. Keep an eye on the car. Boum! Maintenir pour monter dans le véhicule. Alors ça, je suis désolé, chers amis, il faut le ramener. Et Dieu sait que ça va être dur. Il peut pas réparer? Bon bah tant pis, il peut pas. Tant pis. J'ai fait une connerie, j'aurais pas dû. Ça m'apprendra. Je saurai la prochaine fois. Je me suis dit qu'il allait pouvoir la réparer derrière ou n'importe quoi. Mais apparemment, ses doigts ne réparent que la Magnum Opus. C'est qui ça? Désolé. C'est con hein, quand ça arrive quand même. Bon allez, on y va, on roule. Ah, qu'est-ce que je m'éclate dans le jeu.
Allez. À gauche, gauche. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, génial! Je pense que je l'ai eu là, non? Oh! Allez, bien! Voilà! Eh bien, sniper là-haut. Aïe! La voiture, bordel de fuck! Bon, allez, répare. What? Il me tire d'où? Apparemment, il y a des gens. Je suis pas là pour te tuer, mou du gland. Ah bah si, c'était lui le snipe. Voilà. Manger de la nourriture. La saveur du mois. Miam miam miam. Pétroleur niveau 7. Yay. Bon, crache tes munitions par contre, toi. Deux balles de snipe, sympa. Surtout quand on sait qu'ils peuvent en tirer 1 million avant. Ah, la gueule! Vous avez vu? Comme moi? Faut enlever les points. Putain, bien vu! C'est génial! C'est génial! Parce que c'est des trucs qu'ils réutilisent, peut-être! Mais, c'est efficace! Je veux dire, c'est pas surréaliste! Bon, je vais prendre la voiture pour le faire par contre. Parce que j'en chie un petit peu. Oh là là. Baisse-toi, Max. Oh là là. Tu la ramènes ou pas? J'aurais dû le faire depuis le début en fait, surtout ça. Aïe. Raté. Raté. D'accord. Ok. Parfait. Cette fois, c'est réussi. Oh, Max, 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 Max. Franchement. Alors, combien de la ferraille à chercher dans ce truc-là? Autant la prendre le plus tôt possible. Alors, alors. Elle est là-haut. Hop, parfait. Ah, il y a Batman qui est passé par là, chers amis. Pain, 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 pain. Et on monte. Putain, regardez la jauge de carburant à droite. C'est pas épique ça, chers amis. Ah. Bon, c'est très très moche vu de là parfois, hein. Sniper là j'avais déjà vu. Ranger les jumelles, hop, un épouvantail. Oh c'est bon. Station de pompage. Et oui c'est bon, et je connais. Oh calmos, 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 calmos.
C'était juste un truc au passage. Mais cela me semble bon. Intéressant. Une course à la mort juste à côté en plus. On va pas aller la faire, on va aller voir The Jaws. Ça fait longtemps qu'on doit le faire. J'ai envie de voir ce qu'on peut faire avec Jit, notre fameux Jit. Ouais, c'est parce que je suis dedans, alors qu'il aurait pu me l'amener devant quoi. Amène la bagnole. Non, non, ça ne tente pas. Ça ne le tentait pas, chers amis, comme quoi. Même les gollums, faut pas les écouter. Allez, monte. Ah putain, je suis pas dans le bon côté de la bagnole, c'est vrai. Non, Dodge. Ah, je vais aller le chercher, il brûle. Oh là. Madame. Something I have to do here. I don't care where you're going. No, we got all the time in the world. All the time. Oula. Megalicious godhead of a machine just. Oula, les pauvres. A visitation of terror. Oh, je me suis attendu à un truc horrible. Je me suis attendu à un truc tellement horrible. Not too long ago. Non. Oh le con. Oh le con, il l'a fait. Pardon madame, je suis désolé. Aïe. Hop. Eh bien. Allez. Putain, c'est moi qui ai pris cher. Pourquoi c'est moi qui ai pris cher? Fix the car, quick. Salaud. Raté. Du talent quand même hein. Raté. Où en est la caisse? Raté. Ma caisse. Putain. Nom de Dieu. Viens par là, toi. Viens par là, toi. Tiens. Non mais oh. Tu vas me respecter, oui. Putain, mais voilà, il a... ils sont... Là, je suis désolé. Je suis sincèrement désolé. Je voulais pas vous tuer. Je voulais pas que ça arrive. Ça veut dire que j'ai gaspillé de l'eau techniquement. Je veux pas gaspiller de l'eau. À fond les gamelles. Oh le nom. Le nom épique. Boum. Voilà. Oula. Ça tourne. Alors, on doit y être. Et B. Il y a un sniper en haut. Shots up ahead. I see them. I could take them out with the sniper rifle. The what? The long shot. Oh, I have a few rounds. Make them count. Oh, putain. Scratch one. You're a wizard. The long shot is your one. I have to concentrate. Oh, yes, yes, of course. Of course, your wizardship. My seals are sealed. Ok. Ah,
Bon, j'ai pas compris comment qu'il pouvait le faire conduire. D'accord, c'est là-dedans qu'on va. Bon bah, prolongement de l'épisode, chers amis, hein, malheureusement. Ou heureusement, ça dépend. Keep your head down. I'm gonna take a look. Yes, yes, but please, hurry back. This is very, very bad, bad terrain. Risky. À ce moment-là. Ok. Pourquoi quand je pense un petit peu à Claptrap aussi, c'est marrant. J'entends des fois, et ça s'ouvre. Par exemple. Entre autres choses. Le pouilleux. Comment tu parles de moi là? Où est-ce que je suis? Une relique, 5 ferrailles. Tiens! Alors, est-ce que ça fait mal dans le dos? Bien vu! D'accord, je peux que les esquiver. Tiens, bouffe! Boum! Tiens! Boum! Tiens! J'ai vu de la ferraille à droite. On y va. On reprend les bonnes habitudes, chers amis. Des habitudes à ne pas perdre, d'ailleurs. Qu'est-ce que c'est? Un chauffe-eau. Enfin, pas un chauffe-eau, normalement, justement, un radiateur. C'est cool. Putain, mais il y a encore des gens qui savent faire tout ça, quoi. Je veux dire, faut ça. Enfin, vous me direz, oui, des soudeurs dans un monde où la mécanique est présente. C'est pas très illogique. C'est pas si rare que ça, d'ailleurs, non plus. Buvons un coup. Parfait. Remplis la gourde. Faut pas y voir grand chose. Ah si, il y en a quand même une bonne quantité là-dedans, dis donc. Dis donc, dis donc, dis donc, dis donc, dis donc, dis donc. Bon. Ça c'est fait. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le coin? Ah. Les chiottes. C'est les chiottes, chers amis. Hop, qu'est-ce que c'est? Oula. Rotation. D'accord. Zelda, voici ton grand-père Hank. Je suis triste que tu ne l'aies jamais connu. Il avait plein d'histoires amusantes. J'ignore la moitié de ce qu'il a fait dans les années 60. Mais je sais que c'était top secret. Il travaillait pour le gouvernement il y a encore 5 ans avant de disparaître dans un de ces pays arabes. C'est triste que les guerres tuent autant. Wars, famine, disease, murder. C'est tout ça qui nous a tués. Oui, c'est le propre de l'être humain, malheureusement, mon cher Max. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Oh! All hail the king! On n'a rien par là. J'imagine que maintenant il nous faut monter, chers amis. J'espère n'avoir rien oublié. Il nous reste combien? 3, ça fait beaucoup. Ça fait un peu beaucoup. Oula, ah, c'est chiant ça. Alors, attendez. Ah non, je croyais qu'il y avait un truc. Là, il y a quelque chose là. Des cartouches. Ah bah oui, le butin du bonhomme qui est mort. Continuons à monter, continuons à monter. Alors. Ah bah là, on descend. Je suis désolé, on descend. C'est pas grave. Je me suis attendu à un truc un peu plus mortel que ça, en fait, à vrai dire. Le sniper, il aurait été là, il aurait eu certes un moins bon point de tir, mais il aurait été aussi 50% plus à couvert, voire même plus. Hein. Ah, il y a du trajet, du passage d'un seul coup. That must be it.
We're not ready to take that on. Je comprends mieux pourquoi on appelle ça The Jaws. Not without some preparation. Oui, clairement. Des snipers partout. Des explosifs. C'est gigantesque en tout cas. C'est cool. Non, c'est très très cool. Ce sera super comme endroit. Par contre, il me manque quand même deux putains de ferrailles. Ce qui n'est pas rien en fait. Mais bon, de ce côté-là, il y a encore du temps. Hein. Tu l'as dit toi-même. Non, rien. Ça me fait penser à un truc. Putain. Où elle est, cette ferraille ? Ah ah. Il y a quelque chose ici, donc ce qui fait qu'il y a de la ferraille même au-dessus. Donc il y a moyen d'y aller. Ah ah. Donc le reste est sur les toits. C'est intéressant. J'imagine qu'on peut passer par là. Arrive de me tromper, mais. Je me suis trompé. Par où? Par où? Jack sait par où. Putain. Ah, j'aime bien les petits casse-têtes comme ça, mais bon, faut pas trop en demander non plus, quoi. Vous n'avez affaire qu'au Marcus, chers amis, hein, c'est pas le bon dieu, il est pas hyper intelligent ni ça. Bon. Ah, faut peut-être monter et se laisser tomber, peut-être, tout simplement. Ça me ferait mal. Littéralement, hein. Ça fait un peu haut, là. Mais bon, on va bien voir, hein. Voilà, si je monte là, imaginons que je descends, là je peux pas tomber par exemple. Donc c'est pas là. Putain. J'aime bien quand t'as de la recherche, mais là ça fait un peu trop. Alors sauf si de là-haut j'ai pas vu un truc qui ne descendait. Ah oui, il y a du Dinky D ici, pourquoi pas. Non, là la chute elle est mortelle, je suis désolé. Ah. Ah, c'est là. Ok. Il n'empêche qu'il nous en manque encore une. Bim. Donc c'est clairement pas là. Peut-être que c'est quand je suis descendu, quand je suis monté, hein. Hop. Oula. Voilà, ça c'est débile. Ça c'est à proprement dit débile. Continuez. Alors où est-ce que je vais réapparaître? Ça c'est débile. Ça c'est débile comme mort. Parce que le personnage, comme il est lourd, forcément, il n'y a aucun moyen de se rattraper. That must be it. Ah bah oui, mais... We're not ready to take oh putain. Bon bah au moins, je sais où est-ce qu'elle est, celle-là. Not without some preparation. The car needs more power and grip. Ok. It needs side armor and a grill to shield the nose. The hunchback can make it happen if I bring the parts. Ok. Pas dentaire. Un tombe de bouton. Non. Passe pas là.
tout simplement là, non peut-être? Non, là j'y étais tout à l'heure, non c'est ça? Là j'y étais tout à l'heure. Ah, elle doit pas être loin. Ah, ça m'énerve de pas trouver. Je suis pas bête à ce point là. Elle est pas dans les chiottes, on l'a vu. On l'a vu, on l'a vu, on l'a vu. Là il y a la flotte. Là je l'ai trouvé. Au niveau du roi là. Non. Bah non, bah je l'ai pas. Peut-être un peu plus bas autour. Attention à ne pas tomber cette fois-ci. Je vais passer par là quand même au cas où. Non, non, y'a rien là. Ah. Ah 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 ah. Est-ce que je l'ai monté ça? Ah voilà. Je préfère. Je préfère, chers amis. Bam 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 bam, on a réussi. On descend. Oh, le malade. Le malade. C'est un malade. Bon. Your plans for this car, building it up. You gotta do it before we can get past the jaw. Oui. These black fingers are ready to dance, Saint. Oh, yeah. And I know just the steps too. It's called the Jack, a wasteland classic. We pull it off, and our chances of survival grow tenfold. In the harpoon? Soon, soon. But she needs the basics first, huh? Intéressant. Agreed. Let's return to Jeets first, huh? Then I'll show you the plans. D'accord. La folie, je dois franchir la mâchoire pour atteindre, Petroville. Mais dans l'état actuel de la Magnum Opus, ce serait du suicide. Sauvegarde. Bon, bah écoutez les amis, on va se laisser là pour cet épisode. Ou alors on va se rentrer d'abord. Non, on va se laisser là. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à le pouce vériser, le commenter, le partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam Joueur de la Playroom. On peut retrouver le lien dans la bannière de la chaîne. Allez voir dans le descriptif de l'épisode. Donc vers mon partenaire gamesplanet.com qui m'a gracieusement offert le jeu et je les en remercie. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens. Oula, qu'est-ce qui se passe? Bizarre. Salut les gens.